Bonjour et bienvenue sur Du cœur et des lames. Une petite vidéo rapide, un déballage d'un couteau que j'ai acheté il y a quelques semaines à un YouTuber qui a une super chaîne donc américaine, anglo-saxonne, en anglais donc, qui est Beard Gear, pardon. Pour mon anglais un peu approximatif, c'est Jake donc qui tient cette chaîne Beard Gear, qui vendait un couteau que je souhaitais acquérir mais que je trouvais relativement cher, et il me l'a cédé pour un prix très acceptable. Et donc cela fait un peu plus de 2 semaines maintenant et je viens de recevoir le colis. Alors voilà, c'est un colis USPS, hein, United States Postal Service, que je vais déballer devant vous. Alors, pour ça, je prends mon Kershaw Bare Knuckle CFM 390, un super couteau que j'adore vraiment. Donc, petit déballage. Alors, sa chaîne, Bearded Gear. Puis en fait, c'est un barbu. Et je trouve Jake très très gentil, très sympathique. Il fait de très bonnes revues de couteaux. Et nous avons sympathisé. Et donc, quand j'ai su qu'il avait ce couteau à vendre, ben, j'ai sauté sur l'occasion. Donc, je vais essayer de déballer ça proprement. C'est pas évident, évident. Hop. Voilà, un petit cut sur le côté. Voilà. Et donc, il a vendu plusieurs couteaux. Et celui-là m'intéressait parce que, et par sa taille, et par son. Voilà. Ça m'a tout de suite attiré. Alors, il m'a inclus donc des stickers de sa chaîne. Voilà, Bearded Gear. Super, super chaîne, vraiment. Ils vont venir sur mon tapis de présentation. Et ce couteau, voilà, c'est un Kaiser. Alors, un Kaiser, j'ai déjà le Vigor V3, qui est un très bon couteau. En N690 et le Kaiser Gemini en N690 également. Mais ce couteau-ci, voilà, c'est toujours Kaiser a toujours des boîtes pour ses couteaux haut de gamme très bien faites. Alors c'est un petit couteau. C'est vraiment la présentation qu'il a laissé dans son emballage d'origine. Donc c'est vraiment super. Ce couteau, c'est le Kaiser Faced, mais cette version donc en titane et acier, hop, je vais y arriver, j'ai pas l'habitude des front flippers. S35VN, c'est une version reverse tanto et qui est, comme disent les Américains, discontinued, elle n'est plus produite. Donc je voulais cette version-là pour avoir un couteau un peu sortant du lot. Donc un petit couteau, hein, voyez, je crois que ça. Alors je vais prendre les mesures tout de suite. La lame fait un peu moins de 7 cm au niveau du tranchant. Elle fait 7 cm 2, 7 cm 2 en fait. 7 cm 3. Lame entière et 7 cm au niveau du tranchant. Voilà, 7 cm. C'est un couteau qui est léger, hein, c'est du titane. Je trouve très, très bien fait. Alors c'est le designer, c'est Justin Lundquist. C'est un Suédois, je crois, qui fait des couteaux très jolis, très esthétiques. Un petit clip en titane également. C'est un frame lock. Voilà, c'est
Voilà, j'y suis arrivé. C'est vraiment le petit couteau de poche, agréable à porter. Donc l'acier S35VN, j'ai pu à vous le présenter puisque j'ai le kin de Ray Lakonico qui est en S35VN, j'ai le Gent de Ferromforge qui est en S35VN. Et donc voilà, c'est mon troisième couteau en S35VN. Je trouve que le jour, les trous dans le manche sont très esthétiques. C'est un couteau qui est très agréable. Franchement, pour un déballage, là, je suis agréablement surpris. Très content de l'avoir reçu. 2 semaines d'attente pour recevoir un couteau. Donc voilà, je remercie Jake, que je vais mettre en lien dans la description, dont je vais mettre la chaîne en description. Voilà, le lien. Je suis un peu. Voilà, je trouve que je voulais ce couteau, mais bon, il est actuellement. Vous le trouvez sur le site de thebestknives.eu à 178,90 €, 179 € pour inclus, hein, puisque The Best Knives inclut le port dans le prix de ces couteaux. Je suis très content. Je suis très content de l'avoir reçu. Il me rappelle ma dernière acquisition, le IQ, au niveau de la taille. Alors c'est toujours centré parfaitement. Hein, c'est le Kaiser sur ses couteaux de gamme fait un travail excellent. Donc voilà, voilà ce que je viens de recevoir. Je suis très content de l'avoir reçu. Je remercie Jake. Donc, allez faire un tour sur sa chaîne. Il mérite vraiment qu'on s'y attarde. Il présente des couteaux formidables. C'est l'avantage des chaînes américaines. Hein. Elles ont des partenariats avec et des couteliers et des revendeurs. Chose que en France, il est plus difficile d'obtenir, surtout pour des petites chaînes comme la mienne. Donc voilà, je suis très content d'avoir reçu le Kaiser Faced. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours, toujours plaisir et surtout du bien à la chaîne. Même mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Visitez mes pages Patreon et Tipeee, car sans cela, je vais bientôt avoir du mal à renouveler le contenu de la chaîne et j'ai très envie de continuer à vous présenter de jolies choses et à en faire puisque je réalise, comme vous le savez, des accessoires et des articles en cuir. Donc, un petit pouce bleu, un abonnement ici, ma dernière vidéo là ou là, et je vous dis à très bientôt sur du cuir et des lames. Je ferai une vidéo plus détaillée du couteau bientôt. Merci. À bientôt.